Avant dernier sortie téléjournal là pour semaine ça et pour tout le mois d'août là, bonsoir et bienvenue tout le monde. Grand Tikyo, c'est tout de suite. Président de la République, là, Jovenel Moïse, nommé 5 personnalités tout neuf dans le cabinet ministériel. Là. Docteur Claude Joseph, nommé ministre des Affaires étrangères. Louise Courta, Cassandra François, ministre touriste. Marie-Lucie Joseph, ministre éducation nationale et formation professionnelle. Et puis Françoise Morail, ministre culture et communication. Un nouveau conseil d'administration installé jeudi 29 d'août dans la tête Banque République d'Haïti, BRH. Nouveau conseil 5 membres, gagne comme gouverneur Jean-Badin Dubois qui conservait poste li dans la tête institution. Sa. Association volontaire pour démocratie dans la tête collée à programme Nations Unies pour développement lancé jeudi 29 d'août là une campagne sensibilisation sous mise en œuvre objectif développement durable. Des dispositions qui prend pour sécuriser bâtiment public qui dans zone bicentenaire d'après chef paquet Port-au-Prince maître Paul Eronce Villard pendant demander tout individu mal intentionné cap troubler l'ordre avec la paix publique suspend zak malhonnête yo sinon y a tombé en bas sanction la loi. Ministère éducation nationale et formation professionnelle en tête collée avec IDGEN et puis UNICEF lancé forum national sous possibilité pour employer jeunes. Un forum cap déroulé sous thème une jeunesse compétente, c'est l'espoir pays d'Haïti. Développement titre ça avec l'autre encore, c'est tout de suite après pause là, restez branchés. Est-ce que vous connaissez l'important pour les médecins de temps en temps? Est-ce que vous connaissez qu'il y a un pile de monde qui mourit mort si vite? C'est parce qu'il n'y a pas de moyen de médecin pour nous capabiliter en bonne santé. Polyclinique Edouard Jenner, qui chita col dans Delma 60, a offert nous un service santé qui sans pareil. Consultation pour femmes enceintes, pour petit monde, très coup grand monde, ou même qui malade danger, il y a une consultation pour nous tous. Parce qu'elle est bon pour connaître qui type de maladie j'ai qui ou gagné, glaucome ou cataracte. Vigne contrôler tension, ou même qui a une infection vaginale, vini sans perdre du temps. Garçon qui besoin si on cite fini, il y a une place pour nous toutes. Polyclinique Edouard Jenner, qui chita colon Delma 60, a offert nous un service pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, médecine interne, laboratoire, pharmacie, électrocardiogramme, sonographie, observation, hospitalisation. Mes amis, vini, sans perdre du temps. Dans Delma 60, vini consulter dans la polyclinique Edouard Jenner. Pour tout contact, relez-nous dans 37 50 40 11. Polyclinique Edouard Jenner, Delma 60, pour capabilité en bonne santé. Sorti dans Central l'Amérique, côté qui gagne pi riche plantation d'iri sous la terre, privé sous table cuisinière en Haïti. Nous cherchons pour te baou pi bon d'iri ya, d'iri chako. Depuis nan si me planté graines privé dans kay ramasser d'iri, travail rice nan dieu utiliser technique jardin qui pi moderne pour ba yon d'iri qualité wad porté coupé douette d'iri chako. Chaque graine d'iri chako traité avec un pile attention dans yon usine rice nan dieu, côté chaque petit détail contrôlé dans computer, ça permet yo sorti ak pi bon d'iri ko ka joine quel que soit côté sous la terre. D'iri chako, tout bon j'en soin d'y demander toute connaissance avec technologie moderne utilisée. C'est pour garantir dans chaque sac d'iri chako, vous mettez d'iri pi bon. Dans chaque yon d'iri chako, vous jouez même qualité avec même goût fond dans la bouche. Dans chaque assiette, quelle que soit la recette, là, pas gain pi bon passé d'iri chako. D'iri chako, qualité world porté, pi bon d'iri américain à qui on prie tout le monde qui a abordé. C'est ça qui fait d'iri chako vi number one en Haïti. Plus énergie, pi bon qualité pour pi bon prix. D'iri chako, c'est le pi bon. Nous gen ça. Gien. Li ba joine compacteur.
Nous gagnons ça. Gagnez tout, monsieur, gagnez tout, gagnez Sidenson. Tronçonneuse, hélicoptère, Walter, génératrice, pilonneuse. Pour pas en comprendre ça, et puis appareil topographe, appareil pour finition, appareil boiserie. Ha ha, de ces constructions, formation, pas de l'autre côté, Matéo Chita, c'est le bricolo local. Depoutant de pas jouer, c'est pas l'autre vini. A vini dit ça. Numéro 53 ou de Tabar, Torsel. Passez-nous voir ou visitez-nous sur le www.bricolocal.com ou appelez-nous au 29 40 12 33 31 70 13 53. Mobile E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Une fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans Développement Journal. Président République la Jovenel Moïse nommé jeudi 29 d'août là dans journal Le Moniteur 5 personnalités tout neuf pour faire partie cabinet ministériel Fritz William Michel. Citoyen Claude Joseph qui nommé ministre Affaires étrangères à Kilt remplacé Marjorie Alexandre Brunache. Citoyenne Luz Courta Cassandra François nommé ministre Tourisme remplacé Marie Faustine Roxane Herbie. Citoyenne François Mouraille nommé ministre Kilti à communication, remplacé Pradel Henriques. Citoyenne Marie-Lucie Joseph, nommée ministre éducation nationale et formation professionnelle, remplacé Ronide Bélisière Imbert. Citoyenne Manouche Kanere, nommée ministre jeunesse et sport et action civique, remplacé Carline Chout. D'après président commission qui a étudié dossier premier ministre nommé ak membre cabinet ministériel là dans chambre député a dossier nouveau ministre sa yo déjà vinn joine commission parlementaire yo pour mettre rapport à ta doué paré weekend ça. L'autre nouvelle, yon nouveau conseil administration installé jeudi 29 d'août là nan tête Banque République d'Haïti BRH. Nouveau conseil 5 membres ça gen comme gouverneur Jean-Baden Dubois qui conserve poste li nan tête institution ça. Conseil ça a assuré intérim en attendant décision Sénat République là qui ta doué bali yon mandat 3 années. Dans l'occasion, gouverneur BRH là Jean-Baden Dubois exposé ensemble réalisation ancien conseil là d'après lui qui considérable. Jean-Baden Dubois profité présenter différents travail ak réforme li pral entreprendre au sinon qui en phase réalisation dans institution. Yon extrait dans micro Esaïe Aurelius ak Michel Joseph. Au cours des trois dernières années, la Banque centrale a été amenée à suivre une politique monétaire restrictive et prudente. Face à des épisodes de stress récurrents induits par l'exigence de concilier des objectifs antagoniques. Toutefois, en dépit du resserrement des conditions monétaires durant ces trois dernières années, la maîtrise de l'inflation et de la stabilité du taux de change reste un défi majeur en raison de leur impact sur le revenu et l'épargne des ménages, l'investissement, la balance commerciale et la croissance économique en général. Puisque la conjoncture politique n'était pas favorable au développement de l'économie. Nous encourageons donc le conseil de la BRH à la prise de mesures concertées susceptibles de mieux booster la croissance tout en garantissant la stabilité des prix, l'équilibre extérieur et l'emploi. Sur ce, je vous souhaite encore, vos membres du conseil de la BRH, bonne besogne et bonne chance. Nous avons augmenté les taux de réserve obligatoires et changé le mode de constitution de ces dernières en nous exposant
au courroux de nos partenaires du système financier qui, comme banque commerciale, ne vise pas nécessairement les mêmes facteurs d'optimisation que la banque centrale. Nous avons tiré à répétition la sonnette d'alarme et obtenu l'accord d'une gestion de caisse contrôlée, conjointe des autorisations de dépenses budgétaires au risque d'irriter l'autorité fiscale. Cependant, malgré les lourdeurs de l'immédiat et du court terme, nous n'avons pas perdu le cap d'une vision de la politique monétaire balayant un champ allant du moyen au long terme. Les travaux prospectifs avancent à grands pas et couvrent des domaines comme le chantier réglementaire et législatif, le chantier organisationnel, le chantier de formation et celui d'un plan directeur de marché. Le renforcement continu du cadre de supervision du système bancaire constitue un acquis indéniable à l'aboutissement de ce projet et les efforts consentis à cet effet sont importants. Les travaux de renforcement des infrastructures physiques de la BRH regroupent deux catégories. Les réaménagements et les rénovations d'une part et de l'autre, les nouvelles constructions. Dans le premier cas, outre les investissements qui se réalisent dans l'aire métropolitaine, des travaux importants sont engagés au CAI et au Cap-Haïtien. Dans le second cas, outre l'accroissement des infrastructures de contingence, un immeuble moderne est en phase de construction pour décongestionner le bâtiment principal en accommodant le fonctionnement des employés qui travaillent aujourd'hui encore dans des espaces temporaires. Au niveau des moyens technologiques, les efforts consentis touchent tout le spectre des activités de la Banque centrale. En matière de gestion administrative, on peut citer la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines, le Talent Management System, la gestion électronique des documents et la digitalisation des archives, le renforcement du système de télésurveillance de la BRH. Président directeur général groupe croissance lan Kessner Farrell pour tes précisions sur quelques problèmes qui la cause inflation a augmenté à 19.1% kounya. Problème dans niveau chaîne approvisionnement et instabilité politique qui empêchait produit ak bien yo sikile normalement, c'est quelques parmi points économiste Kessner Farrell soulevé. Yon extrait dans micro Rachel Saint-Fort ak Emmanuel Turin. Pour qui ça inflation augmenté à rite ça, il certainement bon problème monétaire, déficit budgétaire là, mais faut qu'on est là depuis quelque temps déjà, pays a censé en mode bloc au niveau des routes nationales. Donc la chaîne d'approvisionnement pose problème. Dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, nous tellement habité là-dedans, nous pas qu'à faire manger. Donc manger a sorti dans le nord, sorti dans le sud, sorti dans le plateau central. Donc le fait que Charlon, Matissan, Akaye, Mirbalè gen problème, donc gon difficulté pour porter produire vers le marché côté qui consommait beaucoup plus là, côté une forte concentration de personnes là. Et deuxièmement, nous connaissons que gon problème pour que produit fini pour nous porter vers les villes de province. Donc en ce sens, ce lock au niveau de la chaîne d'approvisionnement provoquer une augmentation des prix à cause de la production diminuée. Donc voilà le principal problème à l'heure actuelle, la stabilité politique qui nous revient encore. Si nous n'avons pas elle, si nous avons un bloqué route, si nous n'avons pas capable de faire produire bien ou circuler normalement, ce sera extrêmement difficile que offre avec demande atteigne le point d'équilibre. La politique économique est d'abord fiscale avant d'être monétaire. Donc tout autant que nous n'avons pas capable de réellement stabiliser au niveau de la fiscalité, donc des déficits budgétaires, donc même si vous mettez un autre gouverneur ou remplacez le problème n'a pas qu'à résoudre parce que c'est fiscal là qui vient d'abord avant monétaire là. Donc Banque Centrale est capable de faire lui-même, c'est protéger et empêcher dérapage qui fait. Mais il faut qu'il y ait de beaux signaux d'abord sur le plan politique général, ensuite sur le plan fiscal et finalement monétaire qui pourra certainement favoriser cette stabilité. Association volontaire pour démocratie dans tête collée
ak programme Nations Unies pour développement lancé jeudi 29 d'août la yon campagne sensibilisation sous mise en œuvre objectif développement durable ODD. Dans cadre projet ça responsable annoncé diverses activités yo prévoit réaliser dans 10 départements géographiques pays a tant cou conférence atelier formation à concours. Rachel Saint-Fort ak Emmanuela Turin compte rendu. Permettre jeunesse la plus bien comprendre qui sa objectif développement durable yé pour faciliter yo engagé yo dans travail kap fait pour atteindre ODD yo, c'est principal objectif campagne sensibilisation ça. Responsable yo expliqué yo prévoit réaliser diverses activités pour jeunes yo, société civile là, sous thématique ça yo, entrepreneuriat, corruption, bonne gouvernance. Nous avons pratiquement plusieurs types d'activités. Nous avons 5 grandes conférences que nous avons fait Cap Haïtien, Port-au-Prince, Sky, Jérémy, Jacques Mel. Nous avons 11 ateliers de formation que nous avons fait dans 10 chefs de département. Nous avons 2 à Port-au-Prince. Nous avons 3 colloques universitaires. Nous avons fait une à l'Université Limonadla, nous avons fait une Port-au-Prince, nous avons fait une au CAI. Et puis nous avons pratiquement un club ODD qui a monté dans l'université pour que nous permettions de continuer à réfléchir sur la mise en œuvre ODD. Et puis nous avons un forum de la jeunesse que nous avons fait pratiquement en décembre. Mais entre-temps, nous avons tout un aspect extrêmement important, un concours que nous allons faire pour permettre que l'organisation de jeunesse puisse participer et avec. Réduire effet changement climatique, pauvreté grand goût qui gagne dans le monde. C'est parmi quelques objectifs développement durable divers pays dans le monde à goûter pour y atteindre d'ici 2030. Nations Unies avec tout grand pays dans le monde, la Téchita, les ont constaté problème qui gagne dans l'environnement, problème pauvreté. Ils ont dit, j'en ai posé question, qui ça n'a quitté pour demain. Donc, notre objectif pour gagner demain meilleur par rapport à la réalité de vivre qu'on est là. Il a dit que l'important nous fixer des objectifs. Chaque État, chaque pays fixe ses objectifs. Que d'ici 2030, nous avons essayé de faire tout ça nous capables pour nous atteindre l'objectif. PDG Groupe Croissance, Christian Farel, présenté par la chaîne quelques éléments fondamentaux qui ont aidé à atteindre ODD parmi les bourgades de l'argent et le suivi régulier qui est nécessaire. La présence nous c'est pour nous capables de supporter ODD parce que nous sommes là-dedans, mais c'est surtout pour nous faire comprendre que. Ou gen a gen vision, ou gen a gen plan kote ou vle ale, men si l'ajan pa randevou, ap ekstremman difisil. Donc c'est bien que jeune yo commence à penser à ODD yo pour 2030, mais comment yo pral faire suivi budgétaire là pour que chaque année yo gade combien kob yo mette pour différents objectifs yo. Gen 17 objectifs, mba kwel ta nécessaire pour nous choisir les 17 parce que pa gen moyen pour ça. Mais ça nous choisit yo, faut nous capable faire suivi régulièrement pour que ODD 4 là qui intéresse yo, qui est l'éducation. Pour nous, combien de corps qui mettent dans le secteur éducation, mais surtout pour nous assurer que nous sommes capables de faire audit social. Est-ce que nous bénéficions de ça? Campagne de sensibilisation soumise en œuvre, objectif développement durable ODD qui démarre dans le mois d'août, à bout dans le mois de décembre, d'après l'initiateur. Troisième journée examen philo pour session extraordinaire continue à dérouler sans difficulté dans la région métropolitaine. La. Responsable centre examen lycée Jean-Jacques La, Michel Lagneau déclaré, li satisfait pour façon examen continue à dérouler dans le centre Labjéria pendant s'allier bon comportement, surveillant, superviser à candidat. Yon extrait. Ça n'a pas de problème même là-dedans, parce que c'est moi qui ai géré. Ce n'est pas comme si je n'avais pas de virer, c'est moins de virer ça. Donc, le ministère a l'appui, il a porté l'examen à temps. Moi, je mettais tout le processus au prêt. L'examen commençait à temps et il finit à l'heure. Il commençait à l'heure et il finit à l'heure. Parce que je suis promené avec nous là, dans ce centre-là, nous voyons comment tout élève candidat a composé, nous voyons comment le comportement de tout candidat a été souffert. Nous et comment surveillant, superviseur qui j'en ai comporté, plus moi-même comme responsable centre là, qui j'en ai m'imposant. Avec ça, centre là, je ne pas faire abus, je ne pas faire pression, mais je fais appliquer discipline normale et m'a donné tout le monde qui dirigeait et qui surveillant, superviseur qui j'en pouvait comporter à travers ça. C'est moi-même qui contrôle rentrée. Je ne suis pas là qui contrôle rentrée dans mes ni surveillants ni superviseurs. C'est moi-même qui m'accompagne ni superviseur, ni surveillant pour rentrer et surveillant et superviseur qui a contrôlé
candidat fille, superviseur garçon a contrôlé et candidat garçon ça qui gagne téléphone ça qui est papier. C'est pour ça moi préparé rentrer. Ministère éducation nationale ak formation professionnelle nan tête collé ak IDGEN et puis UNICEF lancé jeudi 29 d'août la forum national sous possibilité pour employer jeunes. Yo jeunesse compétence et l'espoir pays d'Haïti, c'est thème qui kembe pour déroulement activité forum sa kap dire deux jours jeudi 29 ak vendredi 30 d'août 2019 la. N'ap invite au suivre yon compte rendu. C'est environ 150 jeunes qui sortent dans 10 départements PIA qui participaient jeudi 29 d'août 2019 là dans la première journée Forum national IDGEN organisé dans tête collègue avec UNICEF. Activité ça fait dans l'idée pour apprendre jeunes qui pas arrivé bout éthique classique yo manière pour yo utiliser compétences yo et ressources qui entourent yo pour sortir tête yo d'après déclaration directrice exécutif là Gerda Privilon. Jeudi à nous a lancé officiellement un forum national. Le forum national sur un concept très important et qui constitue un défi pour le pays d'Haïti, c'est l'employabilité des jeunes. Et nous avons situé le forum dans le cadre et politique nationale d'éducation non formelle que le ministère de l'Éducation nationale fait fin valider dans le mois de mars 2019, qui permet à tous les jeunes, adolescents qui partent à l'école ou qui quittent l'école ou bien qui partent les moyens pour continuer à prendre toute vie. C'est là et aussi tout l'UNICEF pral commémorer 30e anniversaire convention des droits de l'enfant et là ça c'est une activité vraiment en prélude à grand événement ça. Divers thèmes à développer pendant des journées ça yo. Jeunes ça yo a bien chance tout pour yo faire connaître divers besoins yo gagner pour répéter directrice exécutive IDGEN là. On va parler yo des compétences que tu as supposé connait gagner, compétences de base, compte bien lire, compte bien écrire, compétences professionnelles apprendre au métier, compétences de vie, c'est tout compte droit et devoir yo. Et cultiver certaines valeurs. Parce que, en pile d'études que nous-mêmes nous faisons auprès des employeurs dans le pays d'Haïti, ils disent les employeurs jeunes, ce n'est pas tellement les compétences techniques là, que nous avons. Ils ont d'abord le comportement, ils ont d'abord l'attitude du jeune. Ça veut dire ça très important. Égal, nous parlons de compétences de vie, nous parlons de leadership là, tout qui est en pile. Parce qu'en pile de jeunes, ils ont fait un peu de côté, ils ont que c'est le monde qui a séché pour eux ou bien c'est le monde qui a pris lieu. Alors que, de la mesure que tu as prend pour même prendre des responsabilités à chercher qu'on est à chercher information pour dégager. Nous parlons pas l'auto sous entrepreneuriat qui est une grande stratégie pour l'auto-emploi parce que non pays nous pas emploi là-dedans. Égal, il faut que jeunes yo qui a débrouillé puis ouais qui sera qui a mettre ensemble qui a développé comme idée d'entreprise puis qui a faire l'argent pour générer l'argent puis prendre tête en charge et aider famille tout. Compétences de base, compétences de vie, leadership. C'est trois thèmes qui développés dans la première journée forum. Représentant UNICEF, là, Marie Luisa Fornara, pas de cacher satisfaction face à la première journée ça, qui pour lui réussit. Il profite tout, invité Genio, rester positif pendant une absipoté l'autre. 150 jeunes qui viennent de 10 départements géographiques différents du pays, on les a fait tous venir ici. Donc c'est pas seulement Port-au-Prince qui parle dans ces deux jours, mais c'est aussi les jeunes de tous les pays qui parlent. Et on s'adresse en particulier, bien sûr, aux jeunes les plus vulnérables, parce que c'est ceux qu'on doit soutenir. Forum SA, qui démarre jeudi 29 là, à bout vendredi 30 d'août 2019 là. Université américaine des sciences modernes d'Haïti, UNASMO, lancé 16e édition foire scientifique qui baptisé Weekend Scientifique. Responsable invité étudiant qui fait partie de l'autre université, grand public là en général, participé dans l'activité ça qui a déroulé sous thème l'université et vulnérabilité, rôle de l'université dans la création et dans la transmission des valeurs. On suit. 16e édition Foire scientifique Sagan pour principal objectif, mettre en valeur jeunes, responsabiliser yo, montrer nécessité pour investir plus dans la résolution de crise socio-économique pays, d'après vice-recteur UNASMOA Jean-Marcel Lumeran. Ou pas capable de gagner une société qui a développé, si vous pas gagner élément basique là. Élément basique dans le développement de la société, c'est l'université, c'est la jeunesse. Donc tout ça, je dis, pour apprendre. Pour permettre qu'on soit capable de mettre en application le développement de la technologie, c'est à travers l'université. Donc, je dis, moi, je crois que nous, face à une société qui a dégradé au fur et à mesure, nous, en Haïti, thème ça bien codé, bien choisi, puisque nous avons la vulnérabilité de la population haïtienne,
Par rapport à cette vulnérabilité, nous pensons que les universitaires ont un rôle à jouer et il faut que l'université elle-même prenne responsabilité pour accompagner la jeunesse là, accompagner le bal moyen pour le capable agir, pour le capable changer, pour le capable dire et l'autre des choses et permettre que nous rêvions au lendemain meilleur. Rectrice Inas Moa, docteur Floris Dossou, rete quoi devant effritement social là, valeur morale tant que civique yo qui finit disparaître, j'aime dwe gagner une autre alternative cap faciliter yo yon réveil cap aider aboutir à une autre société. Année ça nous avons choisi société et vulnérabilité parce que nous estimons nos valeurs commencer à disparaître dans le pays, nous commencer à fonctionner sans nos valeurs. Donc nous voulons que nous t'arrêmes que au niveau de l'UNASMO dans les années à venir, nous ouais, on réveille des valeurs et on réveille des valeurs qui a entraîné une nouvelle société et un nouvel et un nouveau pays en général. Nous besoin image non, nous besoin certains éléments pour qui guider nous dans prise de décision nous yo, dans action nous yo, dans comportement nous yo et ces valeurs nous yo qui guider nous dans comportement ça yo et c'est vulnérabilité à presque tous les points de vue et nous penser c'est seulement un réveil aux valeurs qui permettre nous corriger situation ça. N'a rappelé journée scientifique Université américaine des sciences modernes d'Haïti a permettre étudiants différentes facultés présenter plusieurs projets réalisés dans divers domaines, sciences informatiques et génie civil, pour ne citer ça seulement. République dominicaine a fait face depuis quelques temps à l'épidémie fièvre dengue. Maladie ça déjà la cause de la mort plusieurs personnes dans le pays. Est-ce que fièvre dengue présent en Haïti, qui a un monde qui a attrapé ou bien identifié maladie ça, qui prévention pour éviter l'épidémie dengue? C'est quelque parmi questions responsable direction épidémiologie, laboratoire et recherche dans le laboratoire national Patrick Delis a répondu dans le micro Rodney Dorlé. Léon avec Michel Joseph. Et nous voulons que tout le monde connaisse que dengue c'est une maladie qui est endémique. Ça veut dire endémique là, ça veut dire son maladie qui là, il présente dans le pays. Même son maladie qui là, ça fait longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'on a parlé de l'IA que là dengue est toujours là. M'a dit nous tant que toute maladie qui transmet par un vecteur ou gain trois façons pour vous mettre contre maladie. Une façon yo c'est agir sous et agent qui ca bail maladie, ça veut dire agent qui ca participer dans transmission maladie. Par exemple dans cas dengue n'a parlé a c'est moustique qui bail a qui c'est Aedes aegypti ou bien Aedes albopictus. Maintenant comment ou capable faire agir sous maladie et sous agent de différentes manières, ou bien ou faire ça nous les fumigation, ou bien ou faire sensibilisation auprès de la population pour yo faire tout ça qui dépend de yo pour yo éviter prolifération moustique yo par exemple par quitter fatra et cascasse bah ça au caoutchouc qui gèt l'eau là-dedans pour éliminer pour moustique yo pas proliférer et abio et nettoyer yo dans période la pluie pour de l'eau pas rester dans trou abio tout bagage qui ca conserver de l'eau qui ca faire moustique yo proliférer. Okay, ou faire prendre toute décision ça pour empêcher et puis tout capable utiliser moustiquaire ou capable utiliser des vêtements pour empêcher moustique et donc c'est ça au cas faire contre agent qui participer dans transmission vecteur et maladie. Ça c'est pour agent, mais l'autre et action capable faire tout c'est sous ça, c'est si on a déjà attrapé maladie, c'est sous ça nous relais et autre là c'est monde qui susceptible pour attraper maladie, ça veut dire moi-même ou même. Maintenant si moi-même j'ai fièvre et dengue là, qui ça me ca faire et me ca aller dans institution hospitalière okay, pour yo capable soigner. Généralement pas gon traitement spécifique pour dengue tant que l'on gagne malaria ou qu'on est à bon primacrine etc. Dengue là lui-même c'est traitement symptomatique. Les nous dit traitement symptomatique, ça veut dire pour fièvre là ou bah antipyrétique pour douleur tête fait mal ça ou ba ou médicament ça, mais li très conseillé et li obligatoire même pour nous dire que le moun gen suspect ou capable gen dengue ou pas prend ça nous relé aspirine pour qui ça, parce que ça li capable aggraver et situation ça yo plus indiqué dans cas fièvre ça et li plus et conseillé pour prendre paracétamol. Après l'autre ou fin agir sous vecteur ou capable agir sous
sous haute là et puis environnement on capable de travailler sous environnement pour que au bon environnement qui capable dit sain qui empêcher prolifération et moustique aspect que nous t'avle pour nous dire pour prendre précaution tout c'est ça nous relé douleur dans orbite Dieu des pour gon fièvre ou gen tête fait mal et pour sentir ou gen douleur au niveau orbite Dieu et c'est pour penser à dengue et sous penser à ça il est important pour aller ouais yon médecin qui a dit qui quantité paracétamol pour prendre pour que ou pas faire et ou pas faire et on l'autre bagaille qui compte et ça ou ta dû faire. N'après on l'autre pause reste information yo c'est pour tout de suite après. Toutes les routes ne mènent pas au succès, mais le succès a une route. Avec USB, le succès est toujours au bout de la route. USB, près d'une vingtaine de disciplines pour mettre à point vos compétences. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction, technique douanière, assistance administrative et marketing, ticketing et hôtellerie. Et la toute dernière en date, l'entrepreneuriat. Pas de réussite en effet sans l'esprit d'entreprise. USB, sur Facebook, USB Educ et sur website www.unityschoolofbusiness.com. USB 2, impasse Saint-Just, Chris 3, téléphone 46 28 42 42 37 11 18 87. Les inscriptions sont déjà en cours. Nouvelle session, début novembre. À la USB, nous faisons ce que nous disons. Journée en pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé nan mine nan. Yo relé nou pou vinn pote men. Et c'est là ça. Mwen wèl. So, ki sa ou fè? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça au jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide, solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, pour son travail dur, je pense que nous allons chez Beltikai, ça oui. Beltikai, nous allons à l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite.
qu'on a ici un problème. C'est dans quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut pas parler à AIC. AIC a peut bien planifier avenir nous et joindre une plus bonne solution dans la gestion comme. AIC gain flexi cash, li aide au faire économie pour qu'a joindre l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner et Optima qui permet de jouir la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que mourir problème fin acheter ça? C'est pas ça nous a souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même m'a continué de taker madame avec toute famille. Taker madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant AIC, nous portons solution pour tout assurer. AIC, prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jour. AIC, c'est moins problème, plus solution. AIC à faire. Nous tendons ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérateurs disent qu'ils ont fini de payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre des data avec des data limites. C'est celle qui celle qui va rouler illimité sur data avec limites. En effet, nous voulons prendre le roi avant de expirer et puis qu'il met tout ça en fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis acheter plein de roi par là. Digicel. Oh! Merci pour fidélité à Téléjournal Land. On a prêt à poursuivre pour nous faire connaître directeur protection civile là, docteur Jerry Chandler, pour tes explications sur évolution cyclone Dorian. Responsable des PCA qui souligne cyclone ça pas représenté gros menace pour pays encore, invité population à toujours été vigilant. Yon extrait. Dernière nouvelle que nous avons sur Dorian, c'est que là, Dorian est passé à stade de ouragan, donc il est intensifié, il vient plus fort, il vient plus gros. Mais li, nan trajectoire que il gagne, course là, on coupe, on s'arrête l'inflexion vers le nord. Donc ce qui fait que il vient passer pratiquement tangentiel, alors sous côté République Dominicaine. Et là, l'a évolué, l'a monté à plus, entre 150 et 200 km des côtes de Santiago pendant qu'on a parlé là. Et pendant la journée, il va continuer, selon prévision, il va continuer à avancer. Et d'ici que l'arrivé en face de côte haïtienne, en face de Wanamet, en face de Fort Liberté, en face de Cap Haïtien, là, plus loin toujours par rapport à côte. Yo. Et donc, dans ce sens, nous avons dit que nous avons dit que c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où nous avons que le cyclone lui-même a déplacé et a éloigné du pays. Hein. Mais en même temps, tout, faut nous prêter quand même vigilants, nous avons fait attention, dans la mesure où. Lorsque le cyclone, l'ouragan fin passé, il y a justement ça relais des cellules nuageuses qui sont capables de vous détacher de lui pour venir causer de la pluie et des forts vents soudains. Donc ça veut dire que quand même si il fin passé, nous n'avons pas subi impact direct là, mais quand même on a pris vigilance parce que à n'importe quel moment, dans n'importe quel département, particulièrement dans le département nord d'Haïti, dans le Grand Nord, nous sommes capables de gagner justement des phénomènes et qui sont capables adverses dans la mesure où ils sont capables de produire la pluie, ils sont capables de produire vos gros vents avec des inondations éclairs. Donc, on va continuer avec justement la permanence que nous décrétons dans la protection civile pour que nous réagissions si bien aux situations que tu as présentées. Tu as déjà mis tes PIA sous vigilance jaune. C'est correct. Et toujours qu'un jusqu'à présent, nous sommes sous vigilance jaune. Matin, nous allons en discussion avec discussion technique avec l'unité hydrométéorologie d'Haïti, qui c'est instance autorité qui justement gère gestion météo, surveillance météorologique, qui au même pral dit nous justement à qui niveau vigilance que nous allons aller. Et des fausses possibilités que nous levons vigilance jaune. Même si nous levons vigilance jaune, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être justement en alerte et que nous ne pouvons pas continuer à être vigilants. Donc, vigilance sanguine doit lever par rapport à termes techniques, donc distance ouragan, capacité impact sous pays, qui a fait que nous sortions de jaune et que nous repassons à la normale, mais et vigilance en lui-même, dans le niveau protection civile et aussi dans le niveau population, il faut que l'irrité et l'apprêté n'a continué jusqu'à ce que son tempête est complètement éloignée et que nous pas justement soyons influencés encore. Direction protection civile a travaillé dans tête collée avec police nationale d'Haïti pour porter secours à les gens qui sont victimes pendant la période cyclonique. Là. Directeur protection civile, là, Dr. Jerry Chandler, qui fait annonce, là, déclaré qu'il y a une disposition qui prend au niveau direction protection civile pour faire face à risques et puis des désastres pendant la période. Là. Je vais vous suivre un extrait.
Rapport avec PNH, ils sont des rapports qui sont excellents. Je connais, nous parlons tout à l'heure du système, système national de gestion des désastres. PNH, c'est un parti pour nous dans le système national. Là. Et dans différentes réunions que nous avons gagnées, non seulement en termes de préparation de saison, nous discutons justement du volet sécurité, mais spécifiquement par rapport à Dorian, dans la réunion que nous faisons entre lundi et mardi, réunion technique, nous avons gagné un représentant de PNH qui était là et que, côté que nous évoquions justement la possibilité que si nous obligeons d'ouvrir un couloir humanitaire, pour nous renforcer la sécurité en façon pour nous capables de vivre sous la population et faire ça que vous faites là. C'est certain que la situation est difficile et il y a un pile défi, un pile ça les challenges. Mais nous, dans la discussion que nous gagnons, nous connaissons que PNH l'a mis tête à la hauteur pour que l'y accompagne nous. Parce que nous avons parlé là de sauver vie, nous avons parlé là de assister à la population. Donc là, si nous avons obligé de mettre les bouchées doubles pour nous capables de faire. Et dans l'émission, je ne suis certainement pas capable de divulguer ce qui est en termes de plan stratégique, et je ne comprends certainement pour qui ça. Mais de manière globale, je suis capable de dire que PNH oui, garantit nous ça, et j'aime dans les différents travaux que nous faisons, PNH a là pour être avec nous, pour accompagner nous par rapport à justement les réponses que nous avons pour nous porter. Parallèlement à ça, je pense que une des choses qui est important tout, c'est lancer un appel justement à tout le monde qui est dans le pays hein, pour que si il y a effectivement en situation particulière, côté que pour faire attention et pour prêter attention à justement services publics qui apportent aide et support à la population. Il y a un incident malheureux qui arrivait, il y a un pompier qui dans un camion pompier qui était en opération, qui est victime de plaie par balle dans la situation sécurité. Et ça, c'est un bagage qui est vraiment dommage. Nous enregistrons tout à la situation côté que attaqué ambulance, il y a une ambulance qui subit attaque, agression armée, c'est des bagailles que faut nous éviter. Pour qui ça? Parce que je nous dis, le travail que les gens qui dans le service d'urgence ont fait, c'est travail pour la population. Et la population, c'est nous toutes que liées. Donc, je dis, alors que y a une unité qui dans la rue, que ce soit protection civile, que ce soit pompier, que ce soit ambulance, qui là, que ce soit la Croix-Rouge, qui là pour porter service à la population, il faut que justement, gon ou là qui mette pour faire attention à eux, pour quitter au fait travail que vous faire. Parce que ce travail-là, je me dis, c'est service à la population. Et la population, c'est nous toutes. Donc là, vraiment, appel ça, c'est ma profiter de l'internet pour moi faire et m'espérer que la privée, justement, dans les oreilles pour l'arrivée. Mais parallèlement à ça, tout, je me dis, en disposition, je prends pour que si nous arrivons dans une situation côté que faut nous faire déploiement pour nous aller directement, justement, au côté population, pour PNH là, pour accompagner nous et pour faire œuvre qui va, pour nous assurer la sécurité qu'on voit nous, pour que justement, et assurer tout, sécurité d'un côté que nous avons pour travailler, lorsque nous avons pour intervenir, beaucoup de population. Sous initiative yon mouvement qui baptisé Krimoun Kafou, plusieurs citoyens dans Kafou ak zon ki environnel organisé yon sitting contre insécurité a soti Bizoton devant marine haïtienne pour rive Font Tamara 43. Sitting sa a été occasion pour notable enseignant ak chef entreprise commune Kafou mandé autorité yo prend disposition pour contrecarrer action bandi yo. L'autre dossier, chef paquet Port-au-Prince-Lan, M. Paul Éronce Villard, a annoncé disposition qui déjà prend pour sécuriser bâtiment public qui est dans la zone bicentenaire. M. Paul Éronce Villard mandé tout individu mal intentionné cap troubler l'ordre à la paix publique, suspendre zak malhonnête yo, sinon y a tombé en bas sanction la loi. Yon extrait dans le micro, Midrey Milias ak Max Joseph. Matin encore, nous discuter avec le directeur départemental. Naturellement, il y a un CSPN qui est fait au plus haut niveau de l'État pour adresser ces questions. Et même moi, je demande beaucoup plus que ça. Et nous planifier, encore une fois, avec le directeur départemental pour mettre un backup fixe pour le moment devant chaque bâtiment public qui est dans la zone bicentenaire. Nous demandons pour, dans la zone Sainte-Bernadette, de mettre au moins deux backup solide avec deux unités spécialisées. Nous demandons pour mettre un backup unité spécialisée devant paquet de Port-au-Prince et avec de patrouilles systématiques qui pour ta fait 24 sur 24 dans la zone bicentenaire. Pour le moment, le directeur départemental Landim la travaille sur ça et dans les heures qui viennent, la prend les dispositions qui s'imposent.
Commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, Maître Paul Eronce Villard, par arrivé tendez jeudi 29 d'août là, responsable l'école qui était convoqué dans quatre dossiers loi souffrait et scolaire, tant coup collège Bird, Saint-Louis Gonzague ak Saint-Louis Bourdon. Responsable établissement et scolaire ça yo indiqué, c'est à cause insécurité qui gen dans zone bicentenaire qui fait yo pas répondre à invitation. Chef paquet a expliqué li renvoyer convocation pour jeudi 5 septembre, cap vini là. Toujours le micro, Midray Milias ak Maxo Joseph. Commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, Maître Paul Eronce Villard, qui a pour mission garantir l'ordre social dans quatre démarches la entreprendre pour résoudre contentieux qui existait entre parents et responsables institutions scolaires. Sous application loi sous frais scolaires, encourager intéressé yo branché mes dialogue. Maître Paul Eronce Villard souhaitait rencontrer pour discuter des dossiers ça avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Matin spécialement, nous avons pour nous attendre de l'école, tant que Collège Bud, tant que Saint-Louis Gonzague, tant que Saint-Louis de Boudon. Mais ça a évoqué qui fait ou pas présent matin, c'est à cause de situation de sécurité qui est dans l'environnement parquet, dans la zone village de Dieu, zone Matissan. Et l'autre partie en est là tout. Donc, ils ont essayé de comprendre que le motif là est fondé. Donc, nous sommes obligés de toute façon, pour l'autre convocation et à la huitaine pour l'école qui n'est pas présentée jeudi. Nous recevons en moyenne plus d'une trentaine de plaintes de parents de plusieurs écoles. Mais j'aime toujours dire, les critères pour nous convoquer l'école, il faut qu'il y ait une documentation qui est fiable, qui prouve que la question frais scolaire là, les multiplier par deux ou par trois. Ou du moins, il faut qu'il y ait un contentieux, un conflit réel entre parents et élèves. Nous recevons plainte, c'est vrai, depuis nous recevons plainte, il faut que nous fassions suivi. Bien que je me rappelle que le commissaire gouvernement a toujours convoqué mon yo dans le cadre du chapeau ordre social que tu as gagné, qui t'a troublé. Donc, faut que je me rappelle que le ministère de l'Éducation nationale, c'est une institution centrale dans la question frais scolaire. Mais tout le monde connaît que jeudi, tu as gagné de convocation à la huitaine ou de institution que tu as convoqué la semaine dernière. Là. Et pour nous voir comment nous avons joint une entente à l'amiable sous quelques aspects dans la loi. Avocat parent yo fait connait yo prêt pour défendre client yo disposé à ses preuves et documents. Mais la constater les grands problèmes dans nos sociétés. Si instance qui la pour résoudre problème là, il pas opérationnel ou du moins il pas existé, mais problème n'a pas arrêté ça résoudre. C'est la raison pour laquelle parent yo avec syndicat pas cap soutenir parent yo. Tu as décidé de poser des questions devant le commissaire gouvernement pour nous faire nous entendre sur question ça. Pour rappeler que nous avons une loi, ou pour que dans la République, c'est pour respecter la loi. Bientôt, nous allons convoquer une conférence de presse. Syndicats qui défendent par an, nous allons convoquer une conférence de presse et nous allons faire un bilan de problèmes qui viennent dans le système éducatif là. Et nous allons présenter chaque école, chaque directeur, avec chaque board où vous gagnez, côté vous faire une augmentation abusive de frais scolaires. Yo nan directeur l'école qui te vinn pote soutien à collègue li yo pote explication sur augmentation frais scolaire yo. Éducateur a soulevé problème la vie chère ya, li di ki touche toute couche sociale. Ministère éducation nationale pour le prendre problème ça à cœur pour pas quitter ces confrontations qui dans société yo, dans société a pour résoudre problème frais scolaire yo. Parce que on envisage nous dans le début d'année, 100 dollars. Vous payez un professeur 2000 dollars, c'était 100 dollars américains. Kounia, l'autre toujours paye 2000 dollars. Alors, et 100 dollars américains, il y a Kounia. C'est le pouvoir d'achat enseignant qui diminue de 50%. Il faut comprendre ça, oui. Donc, qui fait que l'école, là, vit dans une situation, il n'y a pas qu'à monter parce que les parents n'ont pas qu'à payer, tandis que. Professeur lui-même, il faut aller à l'école, il faut le manger, il faut le payer, le coût de la vie a augmenté sous lui. C'est ça que j'ai besoin de comprendre. Et tout de suite, rubrique Taux du jour pour jeudi 29 d'août 2019. Là.
n'a observé troisième et dernier pause dans journal là restez branché n'a tourné C'est quatre la soignage là. Quel que soit l'âge ou adjoint la soignage. Peuple haïtien, mais ça ne t'attend. Dash, vin avec yon pokin chin 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand monde, petit monde, étudiant, commerçant. Ke ou gaya, ke ou malade, vin pren 4 la soignage. Paola, ak seulement 1500 goud, ou adjoint 4 la soignage pendant 6 mois. Ak yon pokin chin service. Consultation gratis dans mes plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque. Examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Fin prenne 4 la soignage Paola. Santé PAM, c'est Dash. Passez prenne 4 Paola dans toute clinique Dash yo à tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relevez 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Hey, pas jamais vous levez caoutchouc sur une top tête chat ça y est encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sortit dans top tête pour mettre en bas votre machine ou vous avez besoin de tout côté pour les caposer. Ok. Pas oublié, top tireuse, c'est fun wash, chire route, coche clou. Ah, gonji boule m'bajoué. Vendez-moi 4 caoutchoucs. De quel gros cher vous voulez? Quoi? Top tire, c'est fun wash, chire route, poche clou. Merci parce que toujours avec nous, nous prenons à l'étranger pour nous faire connaître. Pour le premier semestre année 2019, l'Organisation mondiale santé présentait 89 994 caoutchoucs dans 48 pays dans le continent européen. Bilan ça, d'après l'autorité santé, doublé par rapport à l'année 2018. Bergeline Clerneau, reportage. Organisation mondiale santé pa kache inquiétude li à cause épidémie la roujol ka propager nan continent européen. Maladie sa ti moun plis rattrapé et fait apparition nan 4 pays nan Europe la côté yo te déjà détruit tout jèm maladie a. Parmi pays sa yo n'ap cité Royaume-Uni, la Grèce, République Tchèque ak Albanie. Pour premier semestre année 2019 là, OMS déjà recensé 89 994 cas dans 48 pays européens, yon bilan qui doublé par rapport à l'année 2018. 37 moun déjà perdu la vie et puis yon bon parti dans population pays sa yo touché là-dedans yo plus miné. Autorité mondiale santé yo lancé un appel pour renforcer vaccination dans divers pays qui touché et puis exposé yo.
La rougeole, c'est une maladie qui est attrapée dans le contact avec les gens et qui est affectée aux organes respiratoires avant l'atteinte de tout comme malade là. En attendant, pour joindre un remède pour traiter la maladie la rougeole, comme prévention, l'Organisation mondiale de la santé propose pour les gens prendre 2 doses de vaccins. Actualité yo toujours sous plan international. Londres, Manchester et Edinburgh, c'est quelques villes dans le Royaume-Uni. Côté manifestants, levé campé pour dénoncer décision Premier ministre britannique Boris Johnson prend pour le camper Parlement jour 14 octobre Cap Vinila. Bergeline Clerno. Tension dans le Royaume-Uni après décision Premier ministre britannique Boris Johnson pour suspendre Parlement pour 5 semaines. Décision ça qui passe suspendre soulever colère au côté membre opposition la cause plusieurs élèves camper dans diverses villes dans pays ya tant coup Londres Manchester et Edinburgh côté manifestants ont tab dénoncé ça y aurait les coup d'état. Reine Elizabeth qui valide décision et puis confirmé Parlement a retourné en fonction 14 octobre Cap venir là. Premier ministre là qui passe suspendre défendre décision là fait qu'on travaille pour un autre programme législatif sur sécurité l'hôpital et éducation avancé et puis souligner parlementaire a bien content pour discuter sur question Union européenne là Brexit là et un pilote sujet sur internet là une pétition pour dénoncer décision Premier ministre là chef opposition Jeremy Corbyn qualifié hold up sous démocratie hein, déjà recueilli plus passé 1 million signatures. C'était ensemble information nous t'ai porté pour Assoya, mais je n'ai toujours fait avant nous aller n'a rappeler quelques dans points qui t'ai développé. Président République là Jovenel Moïse nommé 5 personnalités tout neuf dans le cabinet ministériel là. Docteur Claude Joseph nommé ministre Affaires étrangères, Luz Courta Cassandra François ministre Tourisme, Marie-Lucie Joseph ministre Éducation nationale et formation professionnelle et puis Françoise Morail ministre Culture et communication. Un nouveau conseil d'administration installé jeudi 29 d'août là dans tête Banque République d'Haïti BRH. Nouveau conseil 5 membres ça gain comme gouverneur Jean Badin Dubois qui conservait poste li dans tête institution ça. Association volontaire pour démocratie dans tête collé à programme Nations Unies pour développement lancé jeudi 29 d'août là yon campagne sensibilisation sous mise en œuvre objectif développement durable. Gen disposition qui prend pour sécuriser bâtiment public dans zone bicentenaire d'après chef paquet Port-au-Prince là maître Paul Erons Villard pendant demander tout individu qui mal intentionné cap troubler l'ordre à la paix publique suspend zak malhonnête yo sinon y a tombé en bas sanction la loi. Ministère éducation nationale et formation professionnelle nan tête collé ak IDGEN et puis UNICEF lancé forum national sous possibilité pour employer jeunes. Yon forum cap déroulé sous thème yon jeunesse compétence et l'espoir pays d'Haïti. Merci à nous tous qui t'a suivi téléjournal là, un gros merci à toute équipe là qui te permet information rentrer la caillou. Prochain rendez-vous avec salle de nouvelles là, c'est pour la 10h pour édition 10. Bonne nuit tout le monde. Au revoir.